ma defone mu jere ciu top yonu chay chay buntu yeb teju ay way nu may recce aduna du balé jaru wéru yeah blue eye def bopam do ñalé ay mbokam yene negle Non, en réalité, j'ai aucune raison de détester Amélia. J'ai pas de haine envers elle, d'accord? En vrai, je m'en fous. C'est juste que voilà, quoi. Je trouve que son comportement est très dérangeant. C'est pas une très bonne amie, tu vois. Elle passe son temps à trahir ses meilleurs amis. En fait, c'est pour ça que je veux l'éviter. C'est rien d'autre, tu vois. Tu sais, Aïcha, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je me sens bien avec Ami, j'ai pas de problème. Pour toi, je sais pas, mais moi, j'ai confiance. On est une famille, Radija. Et on est les deux seules filles de la famille, tu comprends? Je dois pouvoir compter sur toi et tu dois pouvoir compter sur moi, donc est-ce que je peux compter sur toi? Oui, tu peux compter sur moi, c'est vrai, mais... Pas mal, celle-là. Ouais, je kiffe cette chemise, franchement, j'ai bien choisi. Hussein, tu vois, depuis qu'Anita est à la maison, je suis tranquille. J'ai même plus besoin de faire la police et tous ces trucs-là. C'est elle qui mène tout le monde à la baguette. Elle se fait bien respecter et c'est ça que je trouve cool, quoi. C'est surtout pour Khadija, l'insolente. Elle arrive au bon moment. Le fait qu'Anita soit à la maison, franchement, ça me plaît bien. Avec l'ambiance pourrie qu'on avait avant, son arrivée fait plaisir. Depuis qu'Aïcha est revenue de France, elle a tellement changé, je la comprends pas. Elle est totalement contre Ami. Laisse tomber, elle est folle, laisse. Et puisqu'on en parle, t'en penses quoi d'Ami? Ami? Bon. Honnêtement, je lui en voulais beaucoup, ouais. Non, plus que beaucoup même. Parce que, par rapport à ce qu'elle a fait à Daymari, voilà, bon. C'était moche un peu. Ça m'a pas plu. Mais c'est du passé, non? Elle a essayé de se rattraper. Donc je pense qu'il est temps de tourner la page. Parce que les trucs avec Majib et Ndeymari, c'est bon, c'est terminé, on oublie, tu vois. Ami, c'est notre sœur. Et c'est indéniable. Franchement, moi je suis d'accord avec toi. C'est bon, tout ça, c'est du passé. On doit accepter qu'Ami est notre sœur. On doit tous l'accepter et apprendre à vivre avec. C'est comme ça. Et il va bien falloir qu'Aïcha l'accepte un jour, pas vrai? Hey. Désolé les gars, j'écoute votre conversation là depuis tout à l'heure. Bon, moi c'est pas au sujet d'Ami, mais depuis un moment j'ai une question qui me reste dans la tête. Vous trouvez pas qu'entre papa et tata Anita, il se passe un truc un peu bizarre? Hein? Papa et Anita? Qu'est-ce que tu racontes, Hassan? Ah, en tout cas, dites ce que vous voulez, moi je pense qu'il y a un truc. J'ai l'impression que tata Anita veut prendre la place de maman. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Boris, parle à ton frère s'il te plaît. On sait ce qui se prépare dans la maison. Du moins, moi, je suis au courant. En tout cas, je sais que mamie veut les unir tous les deux. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi. Attends, on dirait que ça te dérange pas. Bah non. Ça me dérange pas. Tata Anita a toujours été comme une mère pour nous. Tu trouves pas? Moi non plus, ça me dérange pas, mais c'est un peu bizarre. C'est la petite sœur de maman. Pourquoi bizarre? Ça se fait dans d'autres familles, tu sais. Y a rien de bizarre. Surtout en Afrique, si tu savais. Et puis tata Anita nous a toujours considérés comme ses filles. Donc selon moi, il n'y a pas de problème, clairement. Khadija, t'en parles pas. Ça doit rester entre nous deux, ok? Je suis pas une cafeteuse, hein. T'aimes? C'est trop joli. Mec, c'est bon, arrête de dormir et lève-toi. Mais tu fais quoi dans ma chambre?
Je suis rentré parce que j'avais besoin de ton chargeur. Mais Abou, dans le savoir-vivre, la moindre des choses, c'est de frapper à la porte avant d'entrer, non? Pourquoi je devrais frapper à la porte? T'es qu'un petit soulard célibataire qui fout rien. T'arrêtes. Ça, c'est ma vie, ok? Je préfère être un soulard plutôt qu'avoir ton sale caractère. Parce que si j'humiliais les femmes comme t'as eu l'habitude de le faire, Dieu m'aurait rendu l'appareil. Hey, toi tu préfères humilier tes propres parents. Tu verras ce que Dieu te garde. T'es bon qu'à ramener des filles ici. Abou, arrête d'insister parce que je te donnerai pas son numéro. J'espère que t'as compris, hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes ensemble depuis tellement longtemps. Mais ce qu'il a fait, c'est pas pardonnable, ami. Je comprends, ok? Je veux juste qu'on reconnaisse que quoi qu'il ait fait, Lamine aime vraiment Mai. Désolée, mais excuse-moi d'en douter, ami. Merci. Dis-moi comment tu peux prétendre aimer comme ça. Et par la suite mentir et mener une double vie comme il était en train de le faire. Y a rien qui te dégoûte. C'est vrai, je suis triste pour Mai. Elle souffre, d'accord, mais il faut être honnête avec elle et dire ce qui ne va pas, même si elle veut pas l'entendre. Il faut préserver l'intimité de leur mariage. On ne peut pas se permettre de critiquer comme ça. Toi, tu veux que je te rafraîchisse la mémoire ou quoi? Quand Vivi avait ses problèmes, tu étais la première à lui dire de divorcer, pas vrai? Mais ça n'a rien à voir avec cet enfoiré qui frappe si, ma copine. Si, tout à voir. Arrête. Je suis désolée. Tous les hommes, c'est les mêmes, que ce soit ici, au Sénégal ou partout ailleurs. Et puis, ami, je t'ai déjà dit que tu avais un problème à dire la vérité. Hé, hey, Dei Marie, arrête s'il te plaît, recommence pas. Vivi, j'en ai rien à faire, ok? C'est plutôt elle qui a un problème pour avouer les choses. C'est pour ça que je me méfie de son amitié. Tu te rends compte que Lamine est venue régler ses affaires c'est dans bon, l'appartement Dei Marie, de Babs? Dei Marie, tu commences à exagérer, ok? Moi, j'exagère. Ne fais rien, arrête. Dei, tu peux pas tout le temps nous sortir tes vieilles rancœurs dès que ça va mal. À chaque fois, c'est la même chose avec toi. Y en a marre, moi, j'en ai rien à faire, Amilia. Crache ton venin, qu'on en termine. Ah oui, tu veux? Vas-y. Amilia, t'es fausse, ok? On sait toutes quel genre de personne tu es. Cependant, nous trois, on continue de t'apprécier, ça malgré ton sale caractère. T'es la plus chiante, t'es la plus insolente et le pire, c'est que tu couches à gauche, à droite. T'es contente? Pour Abdul Majib, c'est la même chose, t'en as fait qu'à ta tête, hein? Tu n'as pensé ni à Anna, ni à sa fille, et encore moins à moi, parce que je ne veux même pas compter dans ce cirque-là. Ah ouais. On en parle de tes coups bas à toi. Je vais te rappeler un truc parce que t'as l'air d'oublier. T'es sortie avec Majib alors que c'est Boris qui vous a présenté. C'est pire et tu le sais, parce que t'as même pas cherché à savoir comment aller le prendre Boris, ton soi-disant meilleur ami qui t'aime depuis des années. Tu oses dire que je suis fausse? Dei Marie, tu es malade, et c'est pas toi qui m'as dit de retourner avec Majib? Pour le bien d'Anna Eva, tu te souviens? Mais en fait, tu le pensais pas. Depuis, t'agis sans être vrai avec moi. Oh oui? T'es une hypocrite. Je suis pas hypocrite, ça je le pensais, ami, il est assis. Alors pourquoi tu me prends la tête sur une chose que je peux pas contrôler? Parce que j'en peux plus, ami. Tu veux pas comprendre que j'aimais Abdul Majib plus que tout? Est-ce que tu sais ce que ça m'a fait quand je vois sa manière de te regarder? J'en peux plus, c'est tout. Dei Marie, je suis désolée. Dei, pars pas, s'il te plaît. Après tout ce qu'on a vécu, et toutes les épreuves qu'on traverse, on peut tout surmonter. On va vraiment gâcher ça maintenant? Je sais que c'est pas ce que vous voulez. Mais les filles, vous êtes sur le point de briser une amitié qui dure depuis si longtemps pour un homme. Est-ce que l'une d'entre vous s'en rend compte? Et on va accepter ça? Dei, regarde-moi. Est-ce que t'imagines que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit? Vous êtes prête à sacrifier tout ça? Thank you.
Papa. Je m'excuse pour la façon dont je t'ai parlé ces derniers temps. Mais tu sais, papa, j'étais complètement perdu. C'est vrai que j'ai dépassé les bornes, et je m'en excuse. Je te remercie. Et te pardonne. C'est ta mère et moi qui avons fait ton éducation. Alors, si tu es forcé de vivre cette expérience, Dieu et toi, êtes les seuls à savoir pourquoi. Papa, en fait, j'ai vraiment honte de te dire les erreurs que j'ai faites. De peur que tu me regardes autrement. Mais est-ce que maintenant tout ça ne serait pas derrière toi? Je pense que c'est derrière moi. Arrête avec « je pense ». Si tu parviens à te repentir, tu peux être victorieux. Mais il faut que ce soit sincère. Car autrement, Lamine, tu seras perdu. Es-tu repenti? Papa. Oui, en effet. Ok, bien. Maintenant, il ne te reste qu'à reconstruire ta vie. Tout d'abord, tu dois réussir à purifier ton cœur, mon fils. Je ne demande que ça. Mais je sais que ça va être difficile. Ce ne sera pas chose facile. Ce sera le prix à payer. Mai est une épouse modèle. Alors tu dois en prendre soin. Car si tu la négliges, un autre homme va la prendre. Tu es prêt à te séparer d'elle? Je crois que non, parce que tu es fou de Mai. Lamine, ne gâche surtout pas ta vie pour des futilités. Mamadou Lamine, va vite récupérer ta femme. Vas-y, fiston. Chérie, il y a ce numéro qui n'arrête pas d'appeler. Ça doit être urgent. Merci beaucoup. Allô? Donc c'est très gai chez toi. Hein? C'est qui? Tu sais très bien qui c'est. Apparemment, notre arrangement à tous les deux, il t'a pas suffi. Et donc t'as décidé de me causer des problèmes? Abou, écoute, tu te trompes. Je n'ai aucune raison de te nuire. Mais alors dans ce cas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les flics me suivent à la trace comme ça? Hein? Sally, je te rappelle que cette histoire de garage, c'était toi. Puis Farez s'est rajouté au business. Et maintenant Farez, il est en prison. Alors explique-moi pourquoi la police veut mener une enquête. C'est toi qui as fait tout ça. Abou, je te jure que je ne suis plus là-dedans. En ce moment, il se trouve juste que... je... Écoute, je vais t'envoyer une adresse, Sally. Et je veux que tu m'y retrouves à 18h. Écoute, je sais où tu vis. Je sais que t'as fondé ta petite famille. Et je vais te dire, je suis encore pire aujourd'hui, alors me pousse pas à bout. À 18h, Sally. Et merde. Ami. C'est vrai que tu l'as viré? Aux dernières nouvelles, c'est lui qui a démissionné. Et il faudrait juste qu'il sache ce qu'il veut exactement. Papa, c'est moi qu'il veut, c'est un problème pour toi? Tu baisses d'un ton, d'accord? Avant d'être ton compagnon, c'est mon employé, d'accord? Papa, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi il est parti, non? Parce que tu étais sa stagiaire, non, puis parce il... que vous voulez m'imposer ma gib. Ma gib? Oui, papa, exactement. Pourquoi vous faites ça? Certes, c'est le père d'Anna Eva, ok, c'est vrai, et moi dans tout ça. Parce que moi, ce que je veux, ça, vous vous en foutez royalement. Toi, tonton Ahmed Kébé, mamie, vous voulez tous que je me remette avec lui. Mais vous vous fichez de ce que ça peut me faire. Vous voyez pas que ma gib est la source de tous mes malheurs. À cause de lui et de sa famille, j'ai été éloignée de mes meilleurs amis et de tous les gens qui comptent pour moi. Depuis que je connais ma gib, je suis une personne différente, je suis la pire version de moi-même. Ami, viens.
Comme ça, monsieur voulait me voir de toute urgence? Depuis quand tu me convoques, hein? Non, je ne t'ai pas convoqué. Je t'ai invité. Bon. Vu comme tu transpires, vaut mieux me parler avant que tu t'évanouisses. Ne me dis pas que t'as engrossé quelqu'un. Non, mais n'importe quoi. Sois sérieuse, s'il te plaît. Bon, je t'écoute. Ok. Ouli. J'aimerais que l'on parle comme deux personnes responsables. Alors toi et moi, on a une relation assez particulière. On se voit en cachette et on couche ensemble. Mais ça ne peut plus continuer. Je te l'ai déjà dit, mais là, c'est très sérieux. Car là, j'ai pris une décision. Je veux que tu sortes de ma vie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. On va chacun aller de son côté. On va vivre notre vie séparément. D'accord? Excuse-moi. Tu te fous de moi? Non, je suis sérieux. Il est hors de question que tu me quittes, Charles. Tu as oublié ce que je t'ai dit? C'est moi qui largue, et jamais le contraire, compris? Et tu sais, Ndaï Marie, tu crois qu'elle t'aime? Détrompe-toi. C'est magique qu'elle aime. Et toi, tu n'es qu'une distraction et rien de plus. Un jouet. Une épaule sur laquelle pleurer. Et après, je peux te parier qu'elle va te jeter comme un mouchoir usagé. Hé hey. Oh! Écoute-moi. Tu ne me fais pas peur, Ouli. J'ai peur de personne sur Terre. J'en ai marre que tu te moques de moi. Et tu as intérêt à écouter ce que je vais te dire. Que ça te plaise ou non, Ouli, j'aime Ndaï Marie. Et je compte vivre avec elle. Et personne ne m'en empêchera. Quant à ce qu'elle ressent, ça ne te concerne pas. Et puis, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ne bouge pas. Marie ? Ça va ? Charles, je... Charles, pourquoi est-ce que personne ne m'aime ? Attends. Quand c'est pas Ami qui me trahit, c'est mon père qui me parle pas. C'est tout le temps les gens que j'aime le plus qui me font ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je mérite ça ? Calme-toi. Calme-toi. Le problème, ce n'est pas toi. Toi, tu es magnifique. C'est les autres. Charles. Écoute, tu vois, toutes ces choses, tu ne les mérites pas. Et puis je suis là. Tu dois me faire confiance. Tu es merveilleuse. Je t'aime. Écoute, je pense que tu as besoin de changer d'air. Donne-moi juste une minute pour me préparer. Ok? Tu me laisses ici? Non, c'est juste que c'est le bazar à l'intérieur et j'ai honte, je ne veux pas que tu vois ça. Une minute, s'il te plaît. Hé, hey, où tu vas? Eh bien, tu m'as dit de partir. Non, attends, t'es mariée juste derrière la porte, elle ne peut pas te voir, là. Oh. Et moi qui croyais que c'était à cause du bazar ici? Ouli, je t'en prie. C'est bon, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Ok. J'accepte de jouer le jeu. Mais à une condition. Que tu me serves du jus. Du jus? Oui, du jus. Ne m'agace pas. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Sers-moi du jus. Tiens. Merci. Je vais mettre mes chaussures, tu ne bouges pas. Psst. Viens. Viens. Il n'y a pas de glaçon. Comme tu viens de m'énerver, faut bien que je me rafraîchisse. Bon. À une condition, je t'évite d'aller m'en chercher. Je veux que tu t'excuses. Pardon ? Oui.
Excuse-toi, tu m'as dit des choses pas très agréables. T'as été méchant avec moi. Ouli, tu exagères, là. Elle est juste là, ne la fais pas attendre, quand même. Ok. Ulimata, je m'excuse. Pardonne-moi. Tu es contente? Même pas convaincant. J'ai pas été long, j'espère. T'es pas seul, Charles. J'entends des voix depuis tout à l'heure. Ah non, j'étais au téléphone. Allez, viens. Eh, attends. Et ta porte, tu la verrouilles pas? J'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais m'enfermer? On passait un très bon moment ensemble. De quoi tu parles? Attends, mais ça va pas? Pourquoi tu dis ça? Eh, c'est une menteuse! Marie... Tais-toi! Je ne veux plus jamais revoir ta face de ma vie. C'est fini. J'espère que c'est enregistré dans ta tête. Laisse-moi t'expliquer, Ndei Marie. Je ne veux pas de malentendu. Ndei Marie! Pense même pas à me suivre, t'as bien entendu? Mais écoute-moi, s'il te plaît! Toi, tu ne peux pas me foutre la paix? Tu gâches vraiment tout! Attention, ne me cherche pas! Sinon quoi? Sinon, je vais te... Heureusement que je ne suis pas ce genre d'homme. Oh, tu es triste. C'est ce que tu mérites. N'oublie pas ce que j'ai sur toi. Mais va te faire voir avec ce fichu secret à la noix! Mais va le dire à tout le monde! Va dire à toute la planète que j'ai trahi mon client! Vas-y, j'en ai rien à faire! Vas-y! Je m'en fous! Mais Ouli, fais ce que tu veux! Lâche-moi maintenant, sors de ma vie, merde! Oui, comme c'est toi le propriétaire de l'appartement, laisse-moi les clés pour que j'entre par la porte de derrière. Mais Vivi, t'étais passé où? T'arrêtes pas de traîner en ce moment, tu fais quoi? T'es jamais ici, Vivi. J'étais partie voir Mai à bout. Elle a des problèmes, tu sais. Eh, je m'en fous des problèmes de Mai. Y'a que les miens qui comptent, ok? Laisse-moi passer, je dois y aller. Où est-ce que tu vas? Et je rêve ou quoi? Ça te regarde pas où je vais? Ce que tu dois faire, c'est rester là sans bouger. Allô? Allô, Virginie? Écoute, à cause de toi maintenant... J'ai de gros problèmes. Abou m'a retrouvée. De quoi tu parles, là? J'ignore comment il l'a fait, mais il a retrouvé mon numéro, il m'a appelé et il me menace de faire du mal à toute ma famille si je refuse d'aller le rejoindre je ne sais où. Ne me dis pas que tu vas le rejoindre. Mais je suis obligée, j'ai pas le choix. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Où est-ce que t'es? Je sais pas, je connais pas l'adresse. Il m'a envoyé quelque chose, je peux te le transférer. Oui, envoie-moi l'adresse, j'arrive, Sally. Surtout, ne bouge pas. Ok. Je crois qu'il y a Sally qui vient d'arriver, là. C'est Sally, non? Oui, c'est elle. Bouge pas, j'arrive. Une minute. Ça me rassure pas que t'ailles là-bas. Mort, je dois y aller. Et fais exactement comme on a dit.
Tu restes ici, et si dans 30 minutes je suis pas là, tu sais quoi faire. Ok. Oh là 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 là. Sally, Sally, Sally. Hé, hey, Sally. T'as pas vu mon message ? Si, je l'ai vu. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on ne fait ? Ne va pas là-haut. Mais attends, t'as pas entendu ce que je t'ai dit ? Il est en train de menacer ma famille, je dois y aller. Écoute, prends cet argent et quitte le pays avec ta famille, s'il te plaît. Hé, hey, on le règle ensemble, ce problème. On peut bien le menacer, non ? Tu te souviens du type qui t'avait menacé avec ta fille devant l'école ? Et ? C'était pas Abou. C'était qui ? C'était moi. Non mais Virginie, t'es malade ou quoi ? Mais j'avais besoin de ton aide, Sally. Je pouvais pas faire autrement, je suis désolée. Non, Virginie, t'es venue me trouver dans mon salon pour m'embarquer dans tous ces problèmes. J'ai accepté alors que ça mettait ma famille en danger et en fait, c'était toi ? Non, t'es pas sérieuse. Sally, je sais que tu me pardonneras pas. Mais maintenant, on n'a plus le temps, c'est trop dangereux. Il faut vite que tu partes du pays avec ta famille. Moi, Abou, je vais m'en occuper. S'il te plaît. Écoute, je t'ai fait confiance. Est-ce que tu le comprends ? Oui. Je ne voulais pas me mêler de cette histoire, et pourtant, je l'ai quand même fait. Sally. Écoute, effectivement, c'est ton problème. Alors tu vas t'en occuper toute seule. Et maintenant, tu peux m'oublier. Ah donc, t'es venu. T'as bien fait, crois-moi. Mais Vivi, qu'est-ce que tu fais ici ? Hé, hey, je te parle, qu'est-ce que tu fais ici ? Écoute, dépêche-toi d'aller à la maison, j'attends quelqu'un. Et ne m'énerve pas, ok ? Sally ne vient pas à bout. Mais comment tu connais Sally ? D'où tu connais Sally ? Tu ne me connais pas, Abou. Mais crois-moi, ça va changer. Tu sais la descente de police. La douane. Ton garage. Pharez. Tout ça, c'était moi. Et Sally n'était qu'un pion. Je me suis servi d'elle, tu comprends ce que je dis ? Non. Non, non, impossible. Non, non. Donc Sally, c'était ton pion ? La police, c'était toi ? Non, impossible, Vivi. C'est impossible, Vivi ! Comment t'as osé ? Tu m'as trahi ! T'as organisé ça, après tout ce que j'ai fait pour toi ! Et qu'est-ce que t'as fait pour moi, Abou ? Qu'est-ce que t'as fait à part m'enfermer dans une prison dorée comme un bien matériel que tu exposes comme tu veux ? Parce que t'es qu'un cancer dans ma vie, tu détruis ma vie ! Je peux même pas vivre ! Je n'arrive même pas à respirer quand t'es là, parce que chaque jour tu me terrorises, Abou ! Tu me manipules ! Abou, je peux pas vivre auprès de toi ! Mais tout ça, ça va changer. Mais, Vivi, t'as vu comment tu me parles ? Écoute-moi, je suis ton mari, je suis ton responsable, et ça, ça ne changera jamais. Est-ce que c'est clair ? Non, je ne crois pas. Ça va changer, et tu sais pourquoi ? Je suis consciente de mon pouvoir maintenant, et je vais l'utiliser contre toi. Tu vas voir, je vais te pourrir de l'intérieur. Crois-moi, je vais te détruire petit à petit. Et ce que j'ai fait à Sally, c'est minime. Je les connais, les types comme toi, les pervers narcissiques. C'est moi qui vais montrer qui tu es à tout le monde. Vous êtes tous complexés, vous manquez d'assurance et vous êtes des lâches pour vous en prendre aux femmes. Ça suffit maintenant. Et ce que je vais te faire, Abou, ce sera pire que ce que j'ai fait à Sally. Je vais t'écraser, Abou, comme une vulgaire mouche. Je vais te faire vivre un enfer. Et les magouilles que tu fais, les gens vont être au courant. Parce que je vais tout raconter à la police. Hé hey. Hey, tu bouges pas d'ici. Lâche-moi. Hey. Vas-y, dégage de là, Abou. Hey. T'oublies une chose. C'est que la police et tout ça, et même Sally, je les maîtrise comme j'en ai envie. Tu comprends ça ? Ils adorent l'argent. Et moi, j'en ai plein. Mais toi, tu peux rien contre moi. Si je veux, je peux te tuer.
t'enterrer. Et personne n'en saura rien. J'espère que c'est bien enregistré dans ta petite tête, ok? Thank you.